Extend a very warm welcome to each and every one of you watching us online. Today on May 10th, and each year since 2021, we come together to honor the Argan tree and its profound significance. A region with a population of approximately 3.5 million people, it particularly is an important lever for the economic empowerment of rural women through the valorization, promotion, and marketing of Argan products. Aujourd'hui, nous avons célébré la journée mondiale de l'arganier, la 4e anniversaire, après l'instauration par les Nations Unies de cette journée, de reconnaissance donc de l'arganier, cette reconnaissance de l'effort humain et de l'effort de notre pays sous la clairvoyance et sur la très haute orientation de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, pour le développement de cette biosphère, comme les biosphères, la biosphère des oasis, à travers donc des programmes structurants qui mettent au cœur de l'équation le développement humain, particulièrement les femmes, qui sont des acteurs essentiels dans la valorisation de cette donc espèce, de cette culture, et puis en transmettant un savoir et un héritage humanitaire très très important. Les programmes sont donc très de grande envergure. Un contrat de programme a été signé avec les acteurs et les professionnels à travers la Fédération interprofessionnelle de l'arganier, avec un budget de 3,7 milliards de dirhams pendant 10 ans. Et les travaux sont très avancés. Nous avons un travail de coordination très important entre toutes les institutions qui interviennent. Et cette année, cette célébration se fait en concomitance avec le Congrès international de l'arganier et à Essaouira, qui constitue un berceau de développement de cette espèce emblématique et unique au monde. Et nous avons également, sur 10 000 hectares, lancé ce qu'on appelle la domestication de cette culture et donc créé finalement une filière nouvelle qui s'appelle l'arganiculture. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.